Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve pour l'épisode 11 sur Resident Evil 4 Remake. Nous retournons sur le jeu. Alors, je me suis légèrement avancé dans les objectifs, les amis, puisque, vous le voyez là sur la carte, on n'a plus les deux points où on devait aller avec le... où on devait aller, en fait. Et on devait donc résoudre une petite énigme où on avait un piédestal et il fallait appuyer sur 3... sur 3 boutons pour déverrouiller la porte et récupérer les objets. Alors, je l'ai fait en off parce que je comprenais pas exactement comment récupérer les symboles. Et finalement, les symboles, ils étaient sur les lieux écrits en peinture jaune. Donc voilà, je me suis permis de le faire en avance. Et donc, on a récupéré tête de blasphémateur et tête d'apostat. Et on a également récupéré la pièce hexagonale C. Et c'est la dernière qui nous manquait. Donc, on va aller mettre... On va aller mettre ça direct. Ah d'accord, ok. Donc je l'ai fait carrément au pif, idole corrompue. Une idole corrompue. Objet destiné à être vendu. Ah c'était juste pour ça? Oh bon, ça se trouve en 15 000, ok, mais je suis un peu déçu quand même. Je suis un peu déçu. Alors attendez, parce qu'on a d'autres trésors là qu'on n'a pas récupérés. Faudra retourner ici pour mettre pour récupérer la clé de l'église du coup. Il faudra aller par là et refaire tout le chemin en sens inverse. Non, je pense pas. Hein. Parce que à un moment donné, on avait des. Il y a l'église ici, ok, tac 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 tac. Il y a la carrière. Voilà, on a récupéré tout. Bah semble-t-il, écoutez, qu'on ait tout récupéré. Bon. Bon, bah écoutez, on va aller revendre ça. On va aller récupérer la clé de l'église. Et puis, bon, on va continuer. Écoutez, hein. De la... Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Merci. Reviens quand tu veux, surtout. Alors, à noter que sur un des points, quand j'ai récupéré une des têtes, il y avait d'autres ennemis qui étaient arrivés, donc je me suis barré vite fait, bien fait, sans demander mon reste. Bah, vous voyez là, par exemple, là on les voit, là, les peintures. D'ailleurs, est-ce qu'on voit s'il y a des ennemis ou pas là?
Bon, on n'a pas l'air de les voir. Bref. Bon, je pense pas qu'on devrait tomber sur des ennemis. Arriver là, mais il serait carrément possible de nous mettre des ennemis. Condor 1 à Perchoir, j'ai la clé de l'église. Reçu. Maintenant, on va chercher Eglon. Ouais, pas de temps à perdre. J'y vais. Condor 1 terminé. Tac tac tac. Vu que j'aime bien sauvegarder. Sauvegardons les ennemis puisque. Ouais. Parce que. Ils seraient vraiment capables de nous foutre. Des ennemis. Ah! Merde. Gloria a las plagas. Gloria a las plagas. D'accord, c'est maintenant. Putain de merde. Bah je vous présente El Gigante. Oui. Alors, on a des verres. Allez, c'est comme dans le jeu original. Par contre là, j'ai pas vu en termes de munitions là où j'en suis. Ouais. Ah. Le chien vient nous aider. Are you serious? Vous voulez m'aider? Parce que je dis pas non.
Alors attends. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Par contre, ça serait bien que ça soit pas avec... Voilà. Oh là là! Non, 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 non. Non. Ah, je croyais qu'on pouvait Allez, vite. Allez, la dernière. Oh zut. Pas assez du coup. Allez, c'est le dernier. Quoi?
Toujours pas. Ok, c'est bon. Et ben du premier coup, les amis. Ça, c'est bon, ça. J'ai failli finir en crêpe. Ok. Merci le chien. Merci le chien. Bon, bah écoutez, on s'en est pas trop mal sorti. Qu'est-ce que je peux me refaire? Rien du tout. En termes de munitions, ça va. Alors par contre, cette arme-là. Est-ce qu'il va y avoir besoin de l'améliorer? J'en sais fiche trop rien. Mais j'ai pas l'impression que ça soit une arme de ouf. Hein. Ok, très très bien. Un soin complet là. Un autre soin complet là. Ça, on va laisser ça là. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Par contre, on va le mettre en raccourci là. Alors j'ai un couteau. Donc ça, hop, on équipe. J'ai une herbe quelque part. Ok. Moi et coucou, tu me laisses aller sauvegarder. Bon bah écoutez, le Gigante qui n'aura pas été si dur que ça. Voilà. C'est les mêmes. Y a pas de malade. C'est les mêmes patterns que dans le jeu original. Ok, je regarde juste. Ouais, avant. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? On va réparer le couteau. On va améliorer le couteau quand même. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. On va le mettre à fond. Qu'est-ce qu'on peut augmenter? Ça, non. Ça. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Ça passe à 1,80. Est-ce que c'est... S'il reste des choses à faire, tu ferais bien de t'en occuper avant d'aller par là. Pour le moment, ça sera très bien comme ça. Bon, bah, le chien nous aura quand même bien aidé, hein. Ah bah t'es là mon pote. Tu restes là? Ah on peut pas le viser en plus. Bah merci beaucoup mon pote. Bah, il doit dire bonne chance ou j'en sais rien. C'était ouvert ça avant? Alors c'est ici. Parce que
tout ce qu'il y a là. Ah non, bah on l'a récupéré en pas... Ah, on l'a récupéré en passant par, par le bateau. D'accord. Ah oui, 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 oui. Et on est venu ici par le bateau et tout. D'accord. Ok. Ouais, soyez sympa, me remets pas, me remettez pas des ennemis. Comme dans le jeu original, ils vont remettre des... Ils remettent des... des chiens. Ah bon, on a une sauvegarde. Attends mon coco, on va en profiter. Ah, là il faut une petite clé, j'en ai pas. Bon, ça va, ils en ont mis qu'un, alors que dans le jeu original, je crois, il y en avait deux ou trois. Bon, ben, il est temps de d'entrer dans cette église. Munitions pour la mitraillette. Un bouton bleu. Petite clé. D'accord. Très bien. Bon bah on va aller utiliser la petite clé. Ici. Un diamant jaune. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut envoyer au coffre ? Ah, j'ai pas vu, j'ai deux herbes vertes. Ok.
Ouais, mais pour le moment, on va les garder comme ceci. Par contre, en termes de place, on a pas grand-chose, hein. Mission de mitraillette. Ouais. Bon, au besoin, on fera des munitions, hein. Au besoin, on fera des munitions, c'est pas bien grave. Il me reste vraiment une seule case, quoi. Allez, la petite énigme. Là. Je comprends pas. À faire. Je comprends pas ce qu'il faut faire là. Attendez. Non, je vois pas du tout là, attendez.
Allez. On va tout remettre à peu près comme c'était. Je vois pas du tout. Je comprends pas. Oh là là, mais c'est quoi cette énigme là? Je comprends pas.
Bon, bah écoutez, vous savez quoi? Je vais le faire moi de mon côté parce que là vraiment je comprends pas le truc. C'était beaucoup plus simple dans le jeu original. Alors que là, je sais pas ce qu'il faut faire. Je me doute bien que faut remplir le tout des couleurs, mais le problème c'est que t'as rien qui te, comment dirais-je? T'as rien, enfin t'as pas un début pour savoir à partir de quoi tu peux, comment dirais-je, à partir de quoi tu peux t'aider quoi. Parce que là, parce que même dans l'arrière, 1, 2, 3, dans l'arrière-plan, il n'y a rien. Vous savez quoi? Tant pis. Ouais, bon, j'y comprends rien, les amis. Tant pis. Bon, écoutez, on va cesser là-dessus. J'espère que néanmoins, bah, cette vidéo vous aura plu avec ce petit combat de boss, les amis. Hein. Et puis, bah, on se donne rendez-vous bah, dès que j'aurai résolu cette énigme, parce que là, ça me prend la tête. Allez, likez, commentez, partagez. À très très bientôt, les amis. Ciao, ciao.